Salut, c'est Death Note. Aujourd'hui, nous allons juste un peu voir ce qu'il y a de nouveau en fait. C'est juste, ça durera pas longtemps comme petite vidéo et c'est pour en même temps vous montrer les nouveautés en fait et en même temps parler un peu ce que j'ai prévu d'acheter ici ce mois-ci. J'ai prévu d'acheter un micro de la marque Noble Blue. Donc ça veut dire que normalement vous aurez une meilleure qualité de son. C'est vraiment génial. Alors, donc ça apparemment c'est un tissu à métier. Ah oui, je sais à quoi ça sert ça. C'est fait pour faire des bannières, d'accord. Oui, j'en ai entendu parler. C'est un peu mon occupé, mon chez en fer quoi. Donc là vous avez des abeilles et du miel. C'est mignon. C'est très très mignon. C'est sympa, hein? Regardez des petites abeilles toutes mignonnes. Regardez des petits pollens comme mignon. Avec ces petits pollens là. Et oui, hop, elles rentrent. Pas tout mignon tout ça. Regardez comme un comote. Hein. Non mais elle est vraiment buggée en fait. Elle est mignonne, hein? C'est un peu de la danse là. Il suffit de mettre une musique qui fait. Ah non, peut-être récupérer des pollen. Bon, en bref, elles sont buggées et comiques, j'aime beaucoup. Elles sont plantées comme moi dans la vraie vie. Donc c'est génial. Comme les trucs compressés, elles le sont aussi. Regardez-moi tous ces wouhou. Très très compression. Sont très compressées. Ah oui, j'ai une truc avec moi. Fallait pas résister. Hein. Après tout, je suis roi des trucs. Je suis Monsieur Wu et suprême. Donc voilà. C'est bien. C'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Et j'aime moins le jour qu'il commence à faire nuit. On va vite dormir. Je dis que je veux dormir. Comment ça, je peux pas dormir? Je veux dormir. Il va faire nuit. Bon, ben, on spanne. Hein, on spanne. On fait ce qu'il faut jamais faire. C'est magnifique. Regardez cette magnificence. Ah! Une truc compression qui aboie, qui crie. Des espèces de dudunes. Bon, on va avoir un petit wouhou compagnie avec nous pendant que je parle, pendant qu'on visite. C'est des trucs de bienvenue. Regardez, ce qu'on peut faire ici, c'est le genre de truc filmage, vous savez, genre. Vous voyez, vous fumez et du coup vous lâchez et du coup ça prend assez lent. Vous voyez un peu l'idée, ça peut être utile. Il faut juste désactiver le son, les particules et retirer l'interface et tout ça. Mais il y a moyen de faire des trucs à la caméra à filmer. C'est pas mauvais. Non, parce que. Attends, ma crotte. T'es libre. Parce que je vais faire des trucs que je veux pas te faire mal. Même si c'est une peluche. Regardez, imaginez, vous faites un clip. Un clip, vous savez, genre. Avant, la Terre était ronde. Et maintenant, elle est noire. Oh, cela fait. Ben, là, ça fait un peu moche. Mais techniquement, si vous retirez tout ce que je vous ai dit, le son, les particules. L'écran, les pattes et tout ça, enfin, vous avez compris. Vous mettez en bref en mode caméra. Caméra sans pattes. Sans papatoune. Ah que je dis papatte. Ah que je suis tout truc. Voilà. Oui, je tape les gens sans aucune raison parce que je suis content. Hop, voilà. Et du coup, ben, c'est bien. C'est correct. Alors, vous avez autre chose. Vous avez ces trucs-là. Vous avez un baril. Très très. Ah non, c'est moi ça. Donc vous pouvez foutre des trucs dedans. Ce que je fais ne sert à rien, mais voilà. C'est un coffre en bref. Donc ça, c'est une autre sorte de coffre, pourquoi pas. Vous avez ce truc-là qui ressemble à un machin de prêtre. C'est un truc d'église là. Oh Seigneur. Aujourd'hui. Blablabla. Blablabla. Que la terre vous soit légère. Voilà.
Enfin, vous avez de la fumée. Enfin, vous avez du feu. Ce qui est pratique parce qu'avant, on utilisait tout simplement la technique du je fous un machin, vous savez, une sorte de bazar. Allez, vous savez, les espèces de trucs là qu'on peut poser pour mettre ses armures dessus. Chevalet, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on les foutait en plusieurs trucs pour faire une sorte de truc comme ça, pour faire des. Ben, plus besoin maintenant, on a ce qu'il faut. Donc, vous avez ce bazar-là qui a un meule, je sais pas à quoi ça sert. Vous avez ce truc-là pour les villageois, pour foutre des trucs dedans et pour. Voilà. Vous avez ça. Vous avez une scie sauteuse pour couper des trucs, je crois. Je sais plus trop à quoi c'est. Vous avez ce bazar qui sert à rien parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait en. Ah ben vous pouvez faire genre je sonne le gong. Ça peut être sympa pour pour du court-métrage, ouais. Vous avez ce truc-là qui est une ruche. Ah oui, ça c'est une ruche. Vous savez les ruches. Les ruches bazar truc-muche. Donc apparemment en plus il y a carrément des guêpes qui vont dedans. Donc c'est une ruche artificielle, voilà. Et les guêpes ils vont dedans, ils en ont rien à cirer. Enfin les machins trucs mûches, je sais plus leur nom. Bon voilà, ils sont très très mignonnetés. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah c'est tout. Hein, voilà. C'était une petite vidéo pour ça. Donc j'ai hâte d'avoir mon micro demain. Et je vous tiendrai au courant. J'ai prévu faire aussi des dessins par la suite aussi. Par contre, les dessins, je vous préviens, je vais les filmer avec mon bras. Enfin, je vais tenir la caméra en main parce que j'ai pas de micro. J'ai trouvé une technique pour pouvoir faire des tutos dessins, mais c'est juste que j'ai pas de pas de micro, je me gourre. J'ai pas de trépied en fait. J'ai pas de trépied du tout. Donc du coup, ça ce sera pour le mois prochain, je pense. Et pour le mois prochain, du coup, je vais acheter un trépied. Et je vais pouvoir du coup filmer, faire des tutos dessins sympathiques sur feuille et tout ça. Même sur la table S3, hein. Sincèrement, je préfère des tutos ou faire du speed painting sur ma table S3 et que vous me voyez dessiner sur ma table S3 que me casser le cul à filmer avec un logiciel sur la table S3 et alors au bout d'un moment, j'ai plus de place, quoi. Donc c'est mieux que ce soit à part. De toute façon, ce sera monté, donc par logique, je mettrai vers la fin le dessin terminé, donc il n'y a pas de problème avec ça. Comme ça, vous le savez. Et j'ai su récupérer les musiques en question, donc ça va être parfait. Donc c'est prévu tout ça, c'est prévu, j'ai prévu de faire aussi des dessins, du coup, il faut juste que j'oublie pas d'activer la caméra, hein mon bébé, parce que j'ai mon chat qui est sous mes jambes, c'est un espèce de cœur vivant. Donc du coup, voilà, je vous dis à bientôt, c'était Tesna, et voilà, cette vidéo n'a vraiment servi à rien, c'est magnifique, c'est ma doctrine.